Oh, salut à toi, fanboy et fangirl Xbox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où le sujet sera tout simplement 10 jeux sur les générations Xbox, première Xbox, Xbox 360 et Xbox One. Voilà, je vais vous parler un peu mélangé de 10 jeux qui ont été annulés, qui étaient prévus parfois, annoncés lors de grands événements, même pendant l'E3 ou même dans les magazines. Et il y a certains jeux parfois qui n'aboutissent jamais, malheureusement, par manque d'argent pour finir le jeu. Les studios parfois ferment ou parfois les studios sont rachetés et d'autres projets sont étudiés ou remplacés. Et donc certains jeux n'aboutissent jamais pour sortir un jour. On va commencer tout simplement pour une licence qui était assez connue sur la Dreamcast. Et comme vous le savez, sur la première Xbox, il y a eu des partenariats avec Microsoft et Sega pour avoir un petit peu soit des jeux exclusifs, soit une récupération de certaines licences. Et là, on aura tout simplement un petit jeu plutôt sympa qui s'appelait Revolt. Et donc ce jeu était plutôt bien aimé sur la Dreamcast et ce jeu-là était censé sortir sur la première Xbox, comme c'était l'époque du live sur la première Xbox qui marchait pas trop mal. Et ben on avait Xbox qui souhaitait en fait tout simplement acquérir la licence pour en faire un jeu only multijoueur qui se serait appelé Revolt Live. Donc le jeu avait bien marché sur la Dreamcast, je pense qu'il aurait cartonné aussi également. C'est un genre de micro-machine en 3D assez nerveux avec des parcours comme ça assez cool et qui ne sortira jamais finalement puisque le deal n'a pas eu lieu. Ensuite, fanboy et fangirl, on aura un autre jeu qui s'appelait Demonic. C'était un jeu qui devait sortir tout simplement sur la Xbox 360. On devait incarner un démon qui pouvait se déplacer tout simplement sur la terre et qui pouvait aussi tout simplement incarner des humains, enfin il pouvait posséder des humains. Donc le jeu avait fait un petit peu sensation à la date où il devait entre guillemets sortir, puisque en fait le jeu était avec le scénario de Clive Baker. Pour tous ceux qui suivent les vidéos, je vous ai parlé d'un jeu qui s'appelle Jericho il y a pas longtemps, c'était aussi Clive Baker le scénariste. Et Clive Baker est un romancier qui a fait des romans assez cool. Et donc le jeu ne sortira malheureusement jamais, il est parti dans les limbes également. Ensuite, fanboy et fangirl, on aura tout simplement un jeu qui devait sortir après la suite de Conquer qui était sur la Xbox première génération. On devait avoir le Conquer Other Bad Day qui était tout simplement en fait une suite directe plus ou moins du premier jeu sur la Xbox, mais qui a été annulé parce que Rare a été racheté par Microsoft et ils ont préféré faire des reboots ou des remasters, par exemple comme Killer Instinct ou Perfect Dark. Et donc là je vous ai mis tout simplement un petit peu du gameplay d'une communauté qui avait fait des mini-jeux sur un jeu Xbox One qui s'appelait Project Spark, puisque malheureusement il n'y avait que des concept art pour le jeu qui devait suivre par rapport au Conquer Live entre guillemets sur la première Xbox. Dommage, j'aurais bien aimé une suite puisque ça fait des années qu'on n'entend plus parler de Conquer. Ensuite, fanboy et fangirl, un jeu qui devait sortir sur Xbox One cette fois-ci. Vous pouvez reconnaître un petit peu le chara-design des personnages. Et oui, c'était tout simplement le Fable Légende. C'était un MMO qui était prévu sur Xbox One. Et c'est un peu dommage d'ailleurs, puisque le jeu avait l'air vraiment fortement avancé et il avait l'air assez sympa. Malheureusement, un jeu qui n'aboutira pas non plus. On sait bien que il y avait le prochain Fable qui va être un peu le reboot qui va sortir, et on voit bien dans ce trailer qui était officiel à l'époque, hein, il y avait entre guillemets, il était prévu pour sortir mais il a été annulé. Et c'est dommage parce que on peut voir un petit peu dans ce trailer vraiment des personnages qui ressemblent fortement à ce qu'il y aura peut-être dans le prochain Fable. Du coup j'ai trouvé ça assez cool, mais dommage de ne pas avoir ce jeu sorti. Ça aurait été sympa de pouvoir tâter du Fable avant la prochaine sortie.
Ensuite, Fanboy et Fangirl, un jeu qui avait été pareil annoncé, c'était Legend of the Sun. On aura tout simplement un jeu troisième personne comme ça, où on incarne un personnage un petit peu fantastique, donc qui me fait penser d'ailleurs un peu façon Ninja Gaiden. Bon, c'est un peu moins, on voit que le jeu était assez avancé, mais on n'a pas l'impression que c'est hyper bien optimisé. Peut-être c'est pour ça que le jeu a pas forcément été sorti. On pourra voir aussi qu'il y a un petit côté Otogi, bon, beaucoup moins reluisant, mais voilà, le jeu avait l'air sympa. On avait un troisième personne, en fait, action, aventure, je pense. Un petit côté aussi Oblivion, voilà, mais les personnages et les monstres avaient l'air assez cool. C'est un peu dommage, malheureusement, que le jeu ne soit pas sorti également. Peut-être un jeu qui aurait été sympa à voir. Ensuite, un jeu sur Xbox 360 qui s'appelait Warhound, donc qui devait ressembler techniquement un peu à un Far Cry 3 comme à l'époque, et vous aviez la possibilité de jouer contre des IA ou contre des multi ou en multijoueur. Et on peut voir là, je vous ai mis, il y avait in-game il y avait un trailer avec le jeu in-game, mais j'ai trouvé le côté un petit peu IA vachement plus intéressant. Et dommage, encore une fois, un jeu qui sera parti dans les limbes et qui ne sortira jamais. Le jeu avait l'air assez cool, mais malheureusement, le jeu ne sortira jamais. Pareil, un jeu de chez Techland, donc on sait que Techland fait quand même des trucs assez sympas. Ensuite, Fanboy et Fangirl, on enchaîne sur un jeu Xbox première génération qui aurait, je pense, cartonné. Qui était sur la licence du film, tout simplement Kill Bill. Voilà, Kill Bill, c'était un film il y a quelques années qui avait un petit peu qui avait cartonné, hein. On incarnait une héroïne en quête de vengeance avec une combinaison jaune et des katanas. Voilà, elle était très forte en baston et en maniement des armes comme les lames katana. Donc le jeu avait l'air fortement avancé et assez sympa, mais malheureusement annulation aussi de ce jeu qui avait été plus ou moins annoncé. Alors des fois il y a des grands événements comme l'E3 et tout, c'était des jeux qui avaient été un peu présentés où on en parlait aussi dans les magazines, mais malheureusement vous savez ce que c'est, il y a parfois des problématiques où le jeu ne faisait peut-être pas assez l'affaire, mais pourtant il avait l'air quand même sympa. Ensuite, Fanboy et Fangirl, on enchaîne sur Cyberman Stampede, un jeu il me semble de chez Rare. Et le jeu, comme vous le savez, vu que ça a été racheté Rare par Xbox, ils avaient d'autres priorités. C'est dommage parce que à l'époque, c'était des concepts qui devaient un petit peu faire suite à tout ce qui est Donkey Kong Country ou les Diddy Kong Racing. On peut voir que le moteur, il y avait déjà ce côté un petit peu cartoon comme à l'époque dans les jeux vidéo de chez Rare. Et c'est dommage, comme on peut voir, on peut chevaucher un rhinocéros un peu façon Donkey Kong Country. Et donc c'est dommage parce que le jeu, pareil, ne sortira jamais. Donc c'était sûrement des projets bien avancés, mais vous savez, parfois malheureusement ça ne va pas à terme, ou les grosses boîtes ne veulent pas débloquer du budget pour la sortie finale du jeu. C'est un peu dommage, le jeu avait l'air assez cool. On était un chasseur comme ça, un petit peu, qui devait un chasseur explorateur qui devait un petit peu comme ça contrôler des animaux, chasser des animaux. Ça avait l'air assez marrant. Ensuite, Fanboy et Fangirl, ça vous devez être au courant, pour même les plus jeunes. Skullbound était un jeu annoncé d'un studio japonais avec un partenariat pour une exclusivité de la Xbox One. Malheureusement, il y a eu des désaccords entre Xbox et ce studio. C'est un peu dommage, le jeu avait l'air assez sympa. On incarnera un héros, donc à troisième personne avec des pouvoirs. Qui manie l'épée avec son bouclier et qui peut chevaucher en fait des dragons. C'était pas un peu ça la feature du jeu, c'était de pouvoir aussi utiliser son dragon ou de le chevaucher et tout, et il y avait des boss assez immenses et tout. Le jeu avait l'air assez cool, mais malheureusement les désaccords avec Microsoft n'ont pas abouti et le jeu est resté dans les limbes. Il y a un petit côté Devil May Cry, voilà, on voit bien la patte un petit peu japonaise du studio.
vidéo. Le jeu avait l'air vraiment vraiment cool. C'est peut-être peut-être qu'un jour Xbox reviendra vers ce studio. À voir, parce que c'est dommage, le jeu était il me semble quasiment abouti. Et il aurait pu sortir dans l'état sans problème. Ensuite, fanboy et fangirl, on arrive déjà au dernier jeu, le 10e jeu. À l'époque de la première Xbox, on a eu deux jeux avec des robots qui s'appelaient Mechasso. Le premier était Mechasso et le deuxième c'était Mechasso Lone Wolf. Un jeu que j'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé le premier, j'ai pas eu le temps de faire le deuxième encore. Et ils avaient prévu un jeu qui s'appelait Reign of Thunder, qui aurait pu être un peu le Mechasso 3. Alors il était prévu pour PC, mais il aurait sûrement réussi à sortir sur Xbox 360 ou Xbox One. C'est un peu dommage, le jeu était bien avancé pareil. Je pense qu'ils ont récupéré les équipes qui étaient assez talentueuses pour les mettre aux côtés d'autres studios Microsoft pour continuer ou finir d'autres jeux qui étaient peut-être la priorité. C'est un peu dommage, comme vous pouvez voir, il était censé être free-to-play en plus. Je pense que le jeu aurait bien cartonné, il est beau, il est dynamique, il est assez attrayant. Je pense que ce jeu aurait pu cartonner, voilà, avec les fameux mechas dans des mondes un peu comme ça semi-ouverts où on se cartonne la tronche et on peut voilà faire des combats qui auraient sûrement été un peu épiques. Et donc c'est un peu dommage malheureusement de ne pas voir aboutir certaines licences comme ça qui avaient l'air vraiment prometteuses. C'est quand même dommage. Voilà, fanboy et fangirl, j'espère que cette vidéo sur 10 jeux annulés vous auront plu. Parfois, on ne sait pas toute l'histoire des jeux vidéo, mais c'est assez sympa de découvrir un peu des jeux qui nous auraient fait un peu kiffer. Mais malheureusement, c'est la loi des jeux vidéo. Les studios, parfois, ferment, n'ont plus assez d'argent, sont rachetés et parfois, des projets restent dans les tuyaux et ne sortiront jamais. C'est un peu dommage. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, si c'était le cas. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous, c'était Xbox Man. Si tu aimes cette vidéo fanboy et fangirl Xbox, like et abonne-toi.